Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, enfin, une première vidéo pour legeek.tv. On rappelle notre site collaboratif pour ceux qui voudraient se lancer, les entrepreneurs, les youtubeurs, l'internet et tout. Donc une première vidéo qui sera dans le but de vos premiers pas sur YouTube. Alors le but, ça serait de commencer sur YouTube avec un budget soit négatif, c'est-à-dire que vous n'avez qu'un smartphone et un smartphone avec son kit main libre et son chargeur, soit vous avez un petit budget et nous on va s'atteler à un budget de 30 euros maximum. À savoir que cette vidéo actuellement est réalisée avec mon smartphone. Bah oui, je sais bien. Alors on va commencer ça, je vais vous expliquer un petit peu, j'ai préparé mon book pour vous expliquer, on fera cette première partie, on va regarder un petit peu toutes les configurations qu'on peut utiliser, comme ça vous pourrez voir un petit et entendre surtout les différences, et après la semaine prochaine on s'attaquera à la partie montage, où je vais monter cette vidéo directement avec un logiciel sur Windows. Alors, il y a les mêmes choses en gratuite avec Windows Maker, nous on prendra un petit logiciel à 20 euros, pas trop cher, qu'on nous a envoyé, donc on l'essaiera, et on essaiera de voir la meilleure configuration. C'est parti. Une des choses qu'il faudra voir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, avec quoi et pour quel budget. Donc nous, notre budget, ça sera 30 euros. Et je vous expliquerai après ce qu'on va acheter pour 30 euros. Et vous allez voir que, bon, on n'est pas obligé, mais bon, c'est que 30 euros non plus. On commencera par le smartphone. Pourquoi le smartphone? Eh bien déjà, le smartphone pour plusieurs choses. Un, il a une bonne caméra arrière. Donc vous allez pouvoir, par exemple, filmer des plans, filmer des trucs en extérieur et tout, ça peut être plutôt bien. Deuxième chose, il a une bonne caméra avant. Moi, j'utilise actuellement mon Samsung S6. Que j'ai changé, mais bon, comme il est là et que je l'ai pas revendu, je vais l'utiliser, et en plus il a une bonne caméra avant, surtout qui vous permet de faire de bonnes selfies, parce que là, bon, peut-être que je regarde la caméra, mais surtout là, je regarde l'écran, voilà, donc l'écran, la caméra, l'intérêt, c'est que si tu te mets un peu loin comme ça, c'est que tu pourras bah, te voir en train de te filmer, et c'est quand même plutôt agréable, te voir un petit peu gesticuler, à bien prendre le réflexe de regarder cette petite caméra qui est là, s'adresser à elle, et non pas à toi qui est dans l'écran, mais après, voilà, l'intérêt c'est ça, et l'un des intérêts aussi principal de ça, c'est que le smartphone a une prise jack. Alors non pas pour les écouteurs, mais surtout pour la prise micro. Vous allez pouvoir voir, par exemple, si on prend le même chose avec mon appareil photo numérique ici, qui est un Sony Ericsson, il est très bien au niveau de l'image. Je pense qu'il démonte facilement ce S6, mais il n'a pas d'entrée micro. Et l'entrée micro, ça pourrait être intéressant parce que vous allez voir que pour pas grand-chose, ou pour peu d'argent, on peut utiliser des solutions qui sont un petit peu alternatives au niveau du micro d'origine, qui ont un bon résultat et qui peuvent vraiment faire la différence entre un appareil photo ou si tu n'es pas juste derrière en train de lui parler, que tu es un peu loin, et bien forcément, il y a du souffle, il y a des choses comme ça, il y a de l'écho. Enfin, on verra ça après par la suite. Donc moi, qu'est-ce que je vous conseillerais d'acheter si vous voulez acheter un truc? C'est un tripod, comme ça. Alors c'est un petit support que vous allez pouvoir soit tenir à la main, comme ça, ce qui peut être bien pour vous filmer un petit peu en extérieur, ou si vous filmez un petit peu en extérieur. Vous pourrez aussi l'ouvrir comme ça et le poser, bah, par exemple, sur un meuble ou devant vous. Après, vous faites une pile de carton, vous le mettez au-dessus, et ça permettra. À savoir que ce modèle-là est livré, alors on l'a vu, nous, sur Internet, à 6,40 €. Alors celui-là c'est un Manfrotto, donc c'est un peu la classe, mais celui qui est derrière la caméra c'est un truc en plastique tout moche, comme vous avez trouvé sur l'annonce, à 6,40 €, et vu le poids du téléphone, ça fait bien le taf. Il est livré, alors c'est pas le même support, mais il est livré avec un espèce de support en plastique comme ça, une griffe, qui vous permettra, vous voyez, de mettre le téléphone un peu comme ça dedans. Je préférais moi aussi, si éventuellement vous avez le budget... On parle de 1,73 €. Prends la griffe aussi en métal. Il existe une griffe en métal. Tu peux pas vous la faire voir. Elle est sur le trépied. Donc il y a également une griffe comme ça en métal qu'on peut ouvrir fermer qui est de meilleure qualité. Les trucs en plastique, je suis pas super fan. Là, elle est en métal et tout. Vous allez pouvoir l'ouvrir. Je mettrai le lien dans la description. Ça coûte 1,73 €. Donc l'achat du tripod, 6,40 €. Vous prenez éventuellement la griffe en métal parce que bon, vous êtes pendant la commande. Vous êtes un peu des fous. Vous allez aller, on s'enflamme. Ça vous fait un total de 8,13 €. On fera les essais également tout à l'heure. Vous pourrez utiliser soit votre kit piéton qui est livré bah, avec votre smartphone, ça c'est bien, soit vous pourrez acheter un micro, alors je sais pas où il est le mien de micro, il doit être pas là-bas, voilà, soit vous pourrez acheter un micro filaire, on verra, bon, ça fait une petite différence quoi, c'est plus esthétique qu'une réelle différence, surtout dans cette gamme de là, vous allez prendre le micro, il vaut quoi, il vaut le micro cravate, il vaut 7,78 €, vous en trouverez des moins chers, vous en trouverez des plus chers, ça dépend un peu de la qualité du micro, je pense que dans un premier temps, pas besoin de prendre un truc super cher, un truc à 10 €, et on verra qu'avec le kit piéton, on a à peu près le même résultat, à part les frottements, et que c'est un peu moins joli. Donc vous pouvez ou ne pas le prendre. Et enfin, on fera des essais avec une lentille, comme ça, une lentille qui permettra de prendre un angle large, qui permettra de vous mettre beaucoup plus proche, comme ça, de votre smartphone, en prenant un angle large. On va voir ça tout à l'heure. La lentille, on a trouvé un jeu de lentilles sur Internet, 15 €.
Voilà, donc on verra un petit peu. Donc budget 8,13€, plus le micro-cravate 7,78€, plus la lentille 15€. Bah, c'est le jeu de lentilles qui a coûté le plus cher. Total 30€, et vous allez voir tout de suite qu'on arrive à des choses qui sont plutôt pas mal. Allez, on se retrouve avec notre première démo. Alors, première démo, filmer un produit. Filmer un produit donc sur une table, donc on va faire ça tout de suite. Avec de la musique. C'est parti, mon kiki. Bon, le revoilà, tu le reconnais. Voilà, donc le trépied, il est là. Donc ça, c'est un autre trépied hein, qui est un peu plus haut. Après, ça dépendra de votre budget. Encore une fois, avec le Manfrotto ou avec un autre truc, vous pourrez le mettre, par exemple, sur une table. Nous, on est là, ici. L'intérêt de celui-là, c'est qu'il a un support directement dedans. Voilà, vous allez pouvoir vous mettre ici. On se met un petit peu, hop, on oriente un peu le trépied. Hop, voilà, paf. Donc c'est encore un peu le bordel, mais vous allez pouvoir, là on est sur une configuration, vous voyez, on filme juste à l'arrière, on est à l'arrière du smartphone, donc là je regarde mon smartphone, il est en train d'enregistrer le truc, nanana, je parle, en fait il n'y a pas de micro là, hein, parce qu'autant avant j'ai triché, il y avait un micro, je vous expliquerai ça juste après, là on est sur la configuration smartphone, mais comme on est collé en fait derrière le smartphone, vous allez pouvoir avoir le produit, bonjour monsieur madame, voilà, donc je vais vous présenter ce mini support, nanana, alors première configuration avec de la musique, donc on arrête de parler et on met de la musique. Configuration avec une voix off, ça veut dire bah vous êtes derrière votre caméra et vous parlez. Alors ça peut être soit pour la présentation d'un monument, un truc historique, d'aller en extérieur, faire des reportages d'investigation avec votre perche selfie, hein, donc vous allez pouvoir prendre votre perche selfie avec votre téléphone dessus et parler derrière le téléphone. Ça peut être bien, ou présenter un produit, comme genre, bonjour monsieur madame, aujourd'hui je vais vous présenter le support de smartphone Georges. Pourquoi Georges? Eh bien, simplement, si vous avez vu le film, vous allez comprendre pourquoi l'astronaute s'appelle Georges. Georges Clooney, bien sûr. Voilà, donc vous allez pouvoir poser votre smartphone, vous allez pouvoir poser sur une table, la taille est relativement correcte, ensuite le support est relativement de qualité, vous allez pouvoir y poser un petit peu n'importe quoi. Et ben voilà, on se rend compte que, ben, avec budget zéro, on a 30€, avec notre support, notre griffe qu'on va mettre dessus sur notre smartphone, on peut se mettre derrière et on peut avoir un résultat qui est tout à fait cohérent. Après, la partie la plus intéressante se passera surtout au niveau du montage. Maintenant, on va repasser dans un deuxième mode qui s'appelle le mode selfie et surtout le mode des tests de micro. Nous revoilà, et tu verras pendant la partie montage, qu'alors certes ça peut être relou, mais enfin l'intérêt c'est, si tu filmes avec tes mains comme ça dans un plan, ça peut être plutôt pratique. Là l'intérêt c'est de mixer un petit peu, si tu veux te filmer un peu toi, ou tu veux expliquer des choses, et sur ces choses là, si tu veux mettre des incrustations comme des images, ou des choses que tu verras, on verra ça dans la partie montage, où c'est pas impossible. Là on filme actuellement avec le smartphone, voilà, uniquement smartphone, micro smartphone. Alors il est clair que quand tu vas te mettre un peu loin comme ça, il peut y avoir un espèce d'effet d'écho. Où, vous voyez, on est pas super loin, il y a moins d'un mètre. Si tu t'approches du téléphone comme ça, voilà, là, pour être vachement proche, pour avoir un meilleur son, et tu vas te rendre compte que, bah, du coup, t'es un peu zoomé. Donc là, peut être intéressant de mettre une lentille avec effet large. Donc on va la mettre tout de suite. Tac, ici. Voilà. Là, l'intérêt, c'est que, vous avez vu, j'ai pas changé de position. C'est un peu comme vous avez vu ce que font les youtubeurs, hein. Ils prennent un appareil photo, ils mettent une lentille angle large. Alors, l'angle est beaucoup plus large, mais l'intérêt, c'est que tu vas peut-être pouvoir rapprocher la caméra comme ça. Alors là, il y a un effet fisheye qui est quand même super important, hein. On va pas se mentir, on va tourner un petit peu, voilà. Donc là, l'intérêt, c'est que le truc, il est collé contre mon ventre. C'est que l'intérêt, tu vas pouvoir te mettre face comme ça et parler un petit peu à ta caméra avec un effet fisheye où le micro étant là sur le côté, tu devrais avoir un bon son. Vous voyez, j'enlève la lentille pour que vous puissiez un petit peu sentir la différence. Et là, tout de suite, vous voyez, on se rend bien compte que il y a ça, quoi. Il y a ça d'écart. Donc, ça peut être pas mal. L'intérêt, je pense, c'est vraiment de se mettre un peu plus loin, comme ça, avec le téléphone. Et on verra qu'on peut arriver à un son qui est plutôt bien, pour pas excessivement cher. On se retrouve tout de suite. Ding ! Alors voilà. Et en théorie, tu devrais avoir une qualité de son qui est relativement différente. Et tu te dis, waouh, comment il a fait pour avoir un son aussi bon ? Et surtout, un son aussi pas cher. Et bien, simplement, j'ai branché le kit piéton, qui est ici. Voilà, directement sur le smartphone. Vous voyez, il est relié directement au smartphone. Je prends mon kit piéton. Alors, c'est pas le kit piéton d'origine, hein. Vous pouvez, ça marche aussi avec le kit piéton d'origine. Là, c'est mon kit piéton Xiaomi parce que je l'avais déjà en stock. Le kit main libre est là. Donc, le micro passe ici. Donc, vous pouvez soit
faire style, et puis genre, voilà, nanana, vous discutez un peu avec le kit piéton, soit vous pouvez vous le mettre un petit peu autour du cou. Alors faites attention au frottement, hein. Si vous êtes comme moi et que vous êtes toujours en train de bouger, ça va frotter, c'est assez désagréable. Donc vous pouvez rester comme ça, et il faut bien prendre en considération que... Oh là, le micro, il est bien, le micro, il est juste en face, voilà. Donc là, on remet le micro, et on est à, toujours pareil, on est à 50 cm, on a le micro ici, et vous allez vite rendre compte que, waouh, il y a un son qui est génial, et on peut reculer encore un petit peu la caméra. Vous voyez, on a encore un petit peu de marge, hein, ici, je peux la reculer encore un petit peu, voilà. Là, on est quand même déjà pas mal super loin, pour le coup, ça, si vous avez besoin de recul. On est, vous voyez, on va quasiment arriver à 1 mètre, parce que c'est la longueur du kit piéton. Et le son doit être pas dégueulasse, même si ça tape contre la chaîne et tout. Ça, c'est des choses auxquelles il faudra faire attention. Après, on verra ça, surtout au montage. Mais on arrive... Hop, on va se mettre un petit peu comme ça. Voilà, on tourne et on arrive à avoir un truc qui est quand même plutôt pas mal. Après, à savoir que vous pouvez également vous la refaire, vous la mettre un peu plus près comme ça. Bon, là, l'équipe piéton, il est royal. Celui-là, il est vachement long. On met également la lentille. Tadam, tadam, et on a un effet. Alors, l'effet fish eye, ça peut donner un effet qui est sympathique, hein, parce que vous voyez, quand on s'approche un peu comme ça, ça peut donner un effet, un plan large. Alors là, les étagères sont plates, normalement. Elles ne sont pas courbées. Mais ça peut donner un effet qui est plutôt sympathique. Vous voyez, on est avec le kit piéton, on se met là. Donc là, on est vachement proche. Hein, donc là, c'est bien. On va se mettre à une distance qui est plutôt raisonnable pour notre caméra. Ici... Tac, avec notre kit piéton, voilà, nanana. Je vais enlever le kit piéton pour que vous puissiez un peu entendre la différence, et d'ailleurs, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, là, on a enlevé le kit piéton, en espérant que le téléphone prenne ça bien. Vous allez entendre un petit peu une différence. On avait vu également des petits trucs en Chine. On avait vu également, je vais me rapprocher un peu, on avait vu également en Chine des petits micros comme ça, qui sont des petits micros stéréo. Ça vaut pas excessivement cher, ça vaut 12,92€, et on va le mettre dessus pour... Alors, l'intérêt, c'est que ça va être stéréo, pour que vous puissiez entendre si différence il y a. Bon, là, il est branché. On verra bien sur la piste audio si ça a fait quelque chose. Normalement, il met... Ah, on a détecté un micro. Là, il met pas. Donc, on verra si c'est bien. Peut-être l'intérêt et l'inconvénient. Bon, l'intérêt, c'est que ça va être en stéréo. L'inconvénient, c'est que ça risque de prendre un petit peu l'écho de la pièce. Il y a quand même un écho qui est important dans cette pièce. Alors, ils font un son un peu directif. À savoir que vous pouvez enlever l'écho. Le meilleur truc que vous puissiez trouver pour mettre à gauche et à droite de vous, c'est-à-dire là où on vous voit pas... Attends. Voilà. Là où on voit pas, c'est de mettre des... c'est de mettre des couvertures de déménagement. tu mets des couvertures de déménagement et ça fait bien le taf. Voilà. On enlève le micro ici, en espérant que ça fait quelque chose. Et après, si vraiment, vraiment vous êtes riche, vous avez ce micro, qui est un micro Rode. Alors bon, là on est quand même un peu plus cher. On est sur un micro Rode qui vaut la maudite somme de... micro Rode, 59€. Juste le micro, vous allez me dire, putain, c'est cher. Mais oui, mais l'intérêt, c'est qu'il y a aussi la chamore, la mouflotte dessus, qui permet vraiment de filtrer le son. Tac, là, voilà, là, on est avec le micro, et c'est un micro qui est ultra directif, qui va se mettre directement vers vous, et il y a une qualité de son qui est incomparable. Alors, incomparable, oui et non. Alors, on est quand même sur un comparable à 59€, donc forcément, ça peut jouer. C'est une grosse différence avec, vous voyez, on se met, on est quand même... Maître Pouce. Bon, je le trouve pas. Maître Pouce s'est fait kidnapper. Donc, on est sur un micro. On est sur un micro à 59€. Donc là, on est. Si on avait que 30€, on est quand même à 59€ de plus. On monte vite à 100€. Mais après, ça dépendra. On va faire un comparatif entre. Oui, j'enlève ma lentille. Tac. Entre mon micro Rode et mon micro kit piéton. Ici, pour que vous puissiez un peu juger. Tadam ! Voilà, nous voilà avec le... J'ai pas bougé, hein, j'ai mis un petit peu en avant, parce qu'il fallait que je m'approche un peu, mais on est sur la même distance, et vous pourrez comparer entre 59€ et 0€, voilà. Parce que, et après, alors, si vous avez un peu plus de moyens, je vous dis que vous pouvez acheter un... Oui, c'est vrai que ça tape contre la chaîne, on l'entend. Même moi, je l'entends à côté ici, donc il faudra être vachement vigilant à ça, hein, bien mettre le truc. Alors, c'est vrai que le fait de le mettre à l'oreille, comme ça... Même si vous mettez qu'une oreille, bon bah là tout de suite, ouais, yeah, génial. Alors vous entendez un peu moins bien, mais au moins vous êtes sûr que ça va pas frotter contre votre chaîne ou contre n'importe quoi. Donc ça peut être plutôt intéressant. Donc l'intérêt, il existe aussi des micro-filaires, je l'ai dit, à partir de 8€. On vous mettra les liens dans la description. Là vous allez avoir un câble et vous allez avoir un micro-cravate que vous allez pouvoir attacher ici. Tout de suite ça fait classe. Il faudra pas se mentir, tout de suite ça fait classe. Vous, au niveau de la qualité vidéo, on remarquera que la qualité est pas dégueulasse. On en parlera surtout à la fin au niveau de l'éclairage et du décor. On a une image qui est quand même plutôt quali. On a un son qui est, avec le kit piéton, qui est, à mon avis, on verra ça au montage, mais qui est super propre, classe. Pour peu vous mettez un petit kit piéton, vous allez avoir le machin, un petit micro-cravate, présentateur télé à 8€. Votre petit trépied, machin, avec le support.
La petite lentille qui va bien, parce que après vous pourrez jouer un petit peu avec les lentilles avec celles qui vous plaisent, hein, ça permet de mettre des effets. Ça peut être intéressant pour les. Si vous voulez faire des plans. Souvent, le kit que j'ai vu, le kit des trois lentilles, a aussi une lentille macro qui permet de filmer quand vous voulez filmer quelque chose de vraiment près, là où les smartphones ne sont pas toujours à l'aise. À l'aise, blaise, bien sûr. Bon, une des choses qui est importante, forcément, c'est l'éclairage. Alors, moi, je pense en premier point, tout le monde doit dire, c'est l'éclairage. Je pense que l'éclairage ne va pas sans le décor. Aujourd'hui, si vous prenez un décor qui est coloré, comme ça, la caméra s'éclate quand même beaucoup plus que si vous mettez un fond blanc, un fond noir ou un fond gris. Après, chacun peut faire comme ça. Mais le fait de mettre un décor coloré, je sais pas, un poster, un machin comme ça, tout de suite, la caméra s'éclate. Et dès que vous allez mettre un petit peu d'éclairage, alors pour l'éclairage, vous pouvez prendre soit n'importe quel halogène à la con, soit n'importe quelle lampe. Mettez un petit peu. Alors, nous, moi, c'est vrai que dans la configuration ici, j'ai beaucoup d'éclairage parce que bah, forcément, on s'est un peu équipé, mais vous pouvez acheter des panneaux LED. Par exemple, on l'a vu... Attends, tu l'as pas vu? Je vais te faire voir. Tada ! Je sais pas si c'est... C'est un polar. Attends, j'enlève le petit piéton. Tadar. Voilà, donc ça, c'est les panneaux LED que vous trouvez, à mon avis, dans tous les bricots, machin. C'est des trucs qui sont faits pour dans les faux plafonds, comme ça, vous voyez, en haut, là. Tu mets dans les faux plafonds. Je vais te mettre la lentille. Voilà. D'ailleurs, on est quand même beaucoup... C'est l'intérêt aussi. C'est des trucs qu'on met dans les faux plafonds, comme ça. Alors, c'est les panneaux LED, ici, LED panel. 40 watts. Vous voyez, avec un petit transfo au bout là. Alors, ça vaut 25 euros dans mon magasin, à côté de chez moi. Il suffit d'aller à Brico Machin. Je vais remettre le kit piéton. Tada ! Voilà, donc il suffit d'aller à Brico Dépôt ou à Brico ou à Casto. Tu vas là-bas, t'achètes un panneau LED comme ça. Ça vaut peut-être 25 euros. Alors, on est vraiment dans l'éclairage. Là, on est vraiment dans la sophistication parce que l'éclairage, votre halogène, bon, tu verras au niveau des résultats ce que ça donne. Mais t'en mets un en bas, devant chez toi ou debout. Tout de suite, tu vas te rendre compte. L'intérêt, ça serait d'en avoir trois. D'investir et d'en avoir trois pour en avoir un à gauche, un à droite et un devant. Un en long comme ça, comme les enceintes, comme ton home cinéma. Une enceinte centrale et badaboum, une de chaque côté. Comme ça, ça permet vraiment d'avoir un éclairage qui est diffus, surtout qui n'est pas agressif, parce qu'une fois que tu te seras mis l'halogène dans la gueule, tu vas te rendre compte que c'est un peu compliqué. Ou alors, il va falloir que tu te caches à le téléphone, mais il peut y avoir un effet d'ombre qui peut être désagréable. Donc, le fond coloré, c'est que des étagères. Hein, c'est pas du bois, en plus, c'est même pas du bois d'arbre, hein, c'est du bois compressé, machin là-dedans. Donc, palaboum. Et ouais, je sais, hein, ça fait... Et t'as vu, avec pas grand-chose, on arrive à faire des choses bien. Donc l'intérêt, c'est un bon éclairage, et ça, et après le smartphone, le meilleur rendu, c'est le son. Prenez un gros youtubeur comme y pensait, regardez ses premières vidéos, c'était pas incroyable, hein. C'est filmé chez lui, sans éclairage, avec le truc, avec l'appareil photo, je sais pourquoi, il y a quand même beaucoup d'écho, ça lui a pas empêché de percer et d'arriver à quelque chose de relativement incroyable. Bon, maintenant qu'on a tous ces rushs et que j'ai bien suivi mon script, bah oui, parce que c'est important, on va faire le montage. Alors pour le montage, on va partir sur le PC, je vous ferai un screenshot, où on va en tester un nouveau logiciel. Ils sont à peu près tous pareils, hein, que vous preniez un Wondershare ou une version gratuite de, je sais plus qui, Power Director ou Windows Movie Maker, parce qu'on peut encore le télécharger un petit peu pour le mettre sur votre ordinateur. Ou un logiciel qu'on nous a envoyé parce qu'ils ont voulu faire la promo sur JT Geek qui ne vaut que 20 euros et que tout compte fait est pas mal parce qu'il est un peu plus récent et il y a des fonctions avancées. On va essayer de faire un tuto là-dessus. C'est à peu près tous les mêmes logiciels, hein, que vous soyez. Alors Final Cut, c'est un peu plus compliqué, mais je pense que pour le montage de cette vidéo là et pour mes vidéos à moi personnellement, on n'a pas besoin d'un montage astronomique, pharaonique et atomique surtout. Donc on va essayer de faire la semaine prochaine, on va se mettre en screenshot. Il fait chaud, même si j'allume la clim, vous allez l'entendre. C'est pour ça, j'allume le ventilo. On va essayer de faire une partie montage la semaine prochaine, où on se mettra dessus, on dira voilà mon rush, voilà où il faut couper. On verra bien, on verra sur la piste, normalement en théorie il devrait y avoir le son et tout. On fera le coupage, on mettra mes petits plans, mes petits machins, mes petites photos, et on va se rendre compte qu'avec un logiciel à 20 euros, notre smartphone et un kit piéton, et un halogène à la con, et ben on peut arriver à faire une petite vidéo sympa. Après tout dépend de votre budget, je pense que les 30 euros d'investissement premier sont pas un luxe, sauf si vous voulez prendre au moins le trépied avec la griffe, c'est quand même plus propre que de poser le téléphone un petit peu à l'arrache. Le micro, vous pouvez le prendre ou pas. Les lentilles, vous pouvez les prendre ou pas. Donc après, si on prend que le trépied, on est sur 8,13€, quoi. Et le trépied et la griffe. Allez, flambons un peu, 8,13€ en free shipping. On n'est pas sur un budget énorme, parce qu'en théorie, le smartphone, vous l'avez déjà. Voilà. Après, s'il est bien, pas bien, on ne sait pas. Mais en théorie, vous devriez avoir un résultat qui est correct, au moins en HD, voire en full HD pour certains. On va peut-être rester sur du HD au début pour pas faire un montage qui est trop lourd, trop complet. L'HD, ça suffit largement. Voilà. Je vous donne rendez-vous sur legeek.tv si vous ne connaissez pas, pour aller voir un petit peu. On essaie de faire des tutos tous les lundis. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le montage de cette vidéo directement depuis mon PC.
Voilà, hein, c'est tout. Paix et prospérité. Je ferme la caméra comme ça et je vous dis au revoir. Bye bye.